nous serons cinq. Deux dans l'allée centrale, un sur les contre-allées, et puis il y aura une personne qui donnera la communion dans le fond. Donc je demanderai aux personnes qui sont sous la voûte de l'entrée de sortir de cette voûte, répartissez-vous sur les côtés, de façon à ce que cette personne puisse s'installer pour donner la communion. Merci. Thank you.
louant toujours le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ce mystère la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir à prélever toujours plus fidèle jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et ce soir, je vais vous donner la bénédiction solennelle de l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple. Qu'ils mettent dans vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messagers de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous y êtes né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Thank you.
sur place pendant quelques minutes. Pendant ce temps-là, toutes les familles et les amis qui veulent prendre des photos, vous pourrez vous approcher plus près. Et je souhaite à chacun d'entre vous une bonne fête de Noël et à bientôt.